question. Please be seated. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Today, the chamber continues to hear the remaining testimony of a witness, NUON Trech. Mr. Anhui, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Grazie, Mr. President, for today's proceedings. Monsieur le Président, all parties to this case are present. Mr. Nunji is present in the holding cell downstairs. He has waived his rights to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. Et le document de renonciation a été remis au greffier. The witness who is to conclude his testimony today, that is Mr. Nguyen Trek, is present in the courtroom. Thank you. Aujourd'hui, se tient présent dans le prétoire. President, thank you. Mr. M. Hoy, the chamber now decides on the request by Nguyen Ji. The chamber has received a waiver from Nguyen Ji dated 7 December 2016, which states that due to his health, that is headache, back pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his rights to be present at the 7 December 2016 hearing. Having seen the medical report of Nguyen Ji by the duty doctor for the accused at the ECCC, dated 7 December 2016, which notes that today Nguyen Ji has a constant lower back pain and feels dizzy when he sits for long, and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nguyen Ji his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Ji can follow. That applies for the whole day. I now hand the floor La parole est à présent to the international deputy co-prosecutor to put further questions to the witness. Qui va poursuivre son interrogatoire. And the remaining time for the deputy co-prosecutor and the lead co-lawyers is 45 minutes. Et les co-procureurs disposent à deux de 45 minutes. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors, Counsel. Good morning, Mr. Witness. Monsieur le témoin. Bonjour. I have just maybe 10 or 15. 10 minutes or 15 minutes more questions for you, and then I will turn it over to the civil parties. And I have a few more questions about the Kempong-Chenang airport site. We were talking yesterday about injuries or deaths to workers caused by the dynamite explosions at the airport site. And I wanted to clarify something with you from your past statements. Une chose avec vous. In your DC CAM dans interview, votre and this is E3-7537-Khmer-000-19648, French 00291-006, English 00251-256. You said, and I quote, a lot vous of people died. Beaucoup de personnes sont mortes parce qu'il y avait des explosions chaque end jour. Quote. But in a transcript that was just made by one of the defense teams from the audio recording of your OCIJ interview, this has been put on case file as E3-7877.1. What you said was that you saw ce que vous dites, c'est que vous avez vu des travailleurs être gravement blessés à cause des explosions et être emmenés à l'hôpital, mais vous ne saviez pas si
Ils ont survécu ou si ils sont morts. Is it correct est-il exact that what you personally witnessed que ce was dont workers vous avez été témoin who were gravely injured from the explosions? And can you clarify whether or not you ever heard whether any explosions? Of those workers died from their injuries? Si ces ouvriers ou ces travailleurs sont morts des suites de leurs blessures? Those workers were wounded, and I did not know what happened to them when they were sent to a hospital in Kampong Chenam. The airfield was rather far from the Kampong Chenam provincial town. L'hôpital, parce que l'aérodrome était relativement loin du chef-lieu de Kampong Chenam. I'm sorry, Mr. President, I didn't get a translation. Je m'excuse, Monsieur le Président, dit l'accusation. Je n'ai pas entendu la traduction sur mon canal. Other parties can actually listen to the interpretation. Maybe it's a problem with your headset. Que c'est votre dispositif audio qui a un problème. Okay, thank you, Mr. Witness. I missed your answer. Monsieur le témoin, j'ai raté votre réponse. What I wanted to follow up with you on this, je voulais you had worked sur une chose before coming to the Kampong Chenang airport site. Sur le site de l'aéroport you had de worked Chenang. The vous aviez previous travaillé two or three years as a medic, les deux ou trois treating années injured soldiers. Membre du personnel were you ever asked et by any of your des soldats blessés. Est-ce que l'un de vos superviseurs vous a jamais demandé sur le site de Kampong Chenang de traiter, de vous occuper, de soigner les personnes blessées, les travailleurs blessés? Any rights to be a medic à cette époque-là, since je I was considered a prisoner in soignant, engaging in breaking rock or digging dirt. At the time, I was removed from being a medic, and since I was accused of being an enemy or a traitor, a KGB or a CIA agent, although that's beyond my knowledge, I do not know what it meant. But même si I was je ne savais pas ce que cela voulait dire, on m'avait quand même accusé de tout cela, d'être un traître. Thank you. Who were the other workers? Merci. Qui étaient les autres who were travailleurs in the area, the same area as you, qui travaillaient where these explosives were being used to blast là où this tunnel? Specifically, where did these workers come from who were at this location? D'où venaient les prisonniers qui étaient à cet endroit spécifique? Non. Réponse. There were mixtures of other units or divisions because within the divisions here and tents there were smaller units, namely regiments, battalions and companies. And I was only familiar with members of my battalion. Et je ne connaissais que les membres de mon bataillon. So there were all sorts of people who were ainsi, working there. They de came from different units, and I did not know them. Je ne les connaissais pas. Did you know whether there were question any workers at this location who were mais from the east zone? Savez-vous si parmi les ouvriers qui étaient là-bas, il y avait des gens qui venaient de la zone est? Yes, there were, réponse, but oui, I did not know il them. Y en avait, mais je ne les connaissais some pas. Of the workers said they came from the east zone. Certains des travailleurs disaient qu'ils venaient from, de la zone they est. They were from the north zone, the d'autres army. Venaient de la zone de l'armée de la zone nord. Were there any Chinese technicians who were working y avait-il des techniciens at the site where the chinois qui travaillaient sur le site being used où on to blast des explosifs pour creuser le tunnel? Yeah.
regarding Chinese engineers or technicians. They only came to give us instructions, for example, how deep we saw dig the dirt. Comme par exemple, comment creuser la terre. So the Chinese would tell us, for example, to remove the grass when we dig the dirt, and in order to compact the soil so that when the plane landed, it would have a smooth landing. L'avion atterrisse, l'atterrissage se fasse en douceur. Now, you testified yesterday that the rocks that were blasted from the side of the mountain were then used to help build the airfield runway. How were the rocks, after they were blasted using Après the explosives, how were they transported to where the airfield runway was being built? Les rochers sur le site de la... At that time, they used workers and trucks to carry the rocks. However, there were not so many trucks. Mainly, they used laborers from workers ou les ouvriers. Mais il n'y avait pas tant de camions que cela. Ils utilisaient principalement des ouvriers. And people who had to carry the rocks. Do you remember quelle était la distance qu'ils devaient parcourir en transportant ces rochers? It was not that far from the airfield work site. It was less than 1 kilometer. Réponse, c'était moins d'un kilomètre. Ce n'était pas si loin. And those workers had to carry those rocks. Et ces travailleurs devaient transporter les rochers. You know, in order to be in condition to do this work with explosives et pour pouvoir rocks, faire ce travail avec les explosifs et transporter les rochers, did you receive each day? Combien de repas and, vous donnait-on chaque what jour? Were you fed? Que vous donnait-on à manger? Well, regarding the food regime, workers received two meals per day. Deux repas par jour. And c'est the food ration was one bowl of rice mixed with other food. Mélangé avec d'autres denrées. The food you received, was it rice or was it gruel? Ce que vous receviez, est-ce que c'était du riz ou est-ce que c'était de la bouillie, demande l'accusation. It was rice, but it was rice mixed with a banana. C'était du riz mélangé avec However, de la banane. However, the amount of rice grains was less than the banana. Mais il y avait moins de riz que de banane en termes de grains. What was the condition of the workers at the question, site? Question, quel était l'état de santé Were you des all travailleurs healthy? Sur le site. Est-ce que vous jouissiez tous de bonne santé? Est-ce que vous pouvez décrire dans quel état de santé vous vous trouviez, vous et les autres travailleurs sur le site? Maître Coppa, Monsieur le Président, Président, veuillez attendre Monsieur le témoin. Maître Coppa, vous avez la parole. Maître Coppa, I object to the formulation of this j'ai question. Une objection par rapport à la façon dont la question est formulée. Naturellement, ce témoin peut parler et témoigner de son état de santé et de l'état de santé des travailleurs proches de lui, mais il me semble que sur 20 000, il y avait à un moment donné près de 20 000 personnes pour terminer le travail à cet aéroport, donc il est pertinent de poser la question au sujet de l'état de santé et du témoin et des gens qui lui étaient immédiatement proches. L'accusation, naturellement, monsieur le témoin, la question porte sur vous-même et sur les gens que vous avez pu voir et observer. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'état de santé des personnes avec qui vous travaillez et vous-même? Regarding the health condition of the workers, there were not many workers who were healthy. Everybody seems to be very skinny. How many hours were you expected
To work every day. Chaque jour. Combien d'heures deviez-vous travailler? Two meals a day. Alors que l'on vous donnait ces deux repas par jour. We started from around 4 o'clock in the morning. Réponse, nous commencions à peu près 11, à 4h du matin et jusqu'à 11h l'après-midi. In fact, we had a rest for an hour and then we started working from 12 to 5. Ensuite, nous recommencions le travail de midi jusqu'à 5h. Did you have to work at night time and if so, question, how often? Deviez-vous travailler le soir? Si oui, à quelle fréquence? We worked every night nous from 6 o'clock de 18 to 10 o'clock. À 22h. And were there lights that were installed at the site where you worked? Et sur le site où so vous travailliez, y avait-il de la lumière dark? Qui avait été installée pour vous permettre de mener à bien votre tâche? Well, non, que... At the time, the light was installed everywhere. À cette époque, il y avait de la lumière installée partout. I want to finish. I want to ask you about something you said in your DC Cam interview. Je voudrais vous poser une question au sujet de ce que vous avez dit dans votre entretien avec le CD Cam. E3-00-19-546-0025-0027. And you made the following statement. Voici ce que vous dites. Question. Question. Was it hard to work there? Était-il difficile de travailler là-bas? It was hard réponse. To do the digging job. C'était difficile we de faire out le travail consistant à 5 creuser. Deep. We worked day nous travaillions and night. Jour et nuit. Question. Question. Why were you asked to dig? Pourquoi vous demandait-on de creuser? They were afraid réponse. Of airplanes sinking if the ground subsided when they landed. L'avion when there was ne garbage s'écrase on the ground. Si we were afraid le sol of n'était pas suffisamment punished, solide, nous avions so peur d'être punis, donc nous end nous employons quote. À travailler dur. Fin de citation. What I wanted to ask you, Mr. Witness, why did you say that you worked hard? Because non, you were je souhaite vous demander, Monsieur le témoin, punished. Pourquoi vous travailliez dur parce que vous aviez peur d'être puni. Pourquoi aviez-vous peur? They said that we were traitors and ils that we had to work there to refashion ourselves. And if we could not refashion ourselves, then we si might die. Alors, as I testified earlier, mourir, that the wheel was turning, and if we could not catch up with it, marche, si nous and when pas à la rattraper, if somebody put an arm or a leg through the turning si wheel, then the arm or the leg would be broken. De la roue, alors la roue les écraserait, la main ou la jambe. You testified to the same thing in your DC Cam interview. Question, et vous avez dit la même chose dans votre entretien warned, avec le CD-COM. Vous avez parlé d'être averti et du fait que vous deviez suivre that, la marche de la roue. It was your chief. Vous avez dit que c'était votre chef qui avait meetings. Dit cela à l'occasion d'une réunion. Can you just réunion. Tell us my last question? Where were the meetings where you were told and warned you needed to keep up with the moving wheel? And do you remember who the chief was who said this? Qui était le chef à avoir dit cela pendant les réunions au cours desquelles on vous avait dit qu'il fallait réussir? While I was at Kampong Chenam, laisser la roue. Partir. We were allowed to stay near the airfield work site. Réponse. Lorsque and nous the étions à Kampong Chenam, on avait le droit de rester à proximité du site de travail. Et le chef était du sud-ouest. Il we a organisé une réunion et il a dit que nous avions commis to work hard to refashion ourselves. Des lits et donc il nous fallait travailler dur and pour nous refashionner. Si nous n'arrivions history, pas à rattraper l'histoire, alors
nous risquions d'être punis plus thank you encore. Very much for your time, Accusation. Je vous remercie de votre temps, Monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Thank you. And the floor is now given to the lead co-lawyers for civil parties to put questions to the witness. But, good morning, Mr. President. Please allow Counsel Hong Kong Soon to put questions to this witness. President, yes. Hong Kong Soon, you may proceed. Hong Kong Soon, thank you, Mr. President, Your Honors. And good morning, everyone. And my respects to the venerable men who are in the public gallery. My name is Hong Kong Soon. I'm a lawyer for the Cambodia Defense. And Mr. Witness, I only have some supplementary questions to put to you. In relation to your work as a medic at the Brigade of Mille Hospital, membre du personnel soyant, when you entered the Phnom Penh after Phnom Penh fell on 17 April 1975, what was your unit? Was it a military unit or was it a civilian unit? Est-ce que c'était une unité militaire ou une unité civile? President, witness, please observe the microphone. Monsieur le témoin, veuillez attendre que le microphone soit allumé avant de parler. Answer. At the time, I was a zone medic. And à cette époque-là, j'étais to attack the lonely soldiers and that we had to defeat them in every spearhead. Council interrupts. Attaquer les after troupes de lonol et fell, les mettre en échec. After you Penh, mais après avoir what I want to ask is about your unit, Penh, even if you were a medic. De votre unité, si vous was une your même, unit si vous a military unit soignant, or was it a civilian unit? Était civil ou militaire? President, witness, President, please observe the microphone. You should only speak when you see the red light on the tip. Ne parlez que lorsque vous voyez le voyant rouge allumé. Answer. At the time, even if I was a medic, réponse. I was a military medic. Même si j'étais we infirmier, were j'étais not infirmier a militaire. Civilian unit. Nous n'étions pas une unité civile. Question. Yesterday, in your response question. To the co-prosecutor, dans les réponses you que vous avez spoke about the arrest. Vous avez parlé d'une arrestation. Of your unit chief, vous avez dit que Uen, votre as chef well as d'unité, avait été of his arrêté. And the vous children. Avez dit que sa femme et ses enfants avaient également été arrêtés. Was Uen's wife and was Uen's wife the only wife that was arrested after the husband was arrested? Après although there are many other wives who were arrested. Mari, ou est-ce que d'autres épouses ont été President, elles aussi arrêtées suite à l'arrestation so de leur mari par la suite? Monsieur le témoin, veuillez attendre. Maître Copeux, vous avez la parole, dit le Président. I object to this question. Objection. The implication in the question is that cette question implique une chose, division commander Un's wife à savoir was arrested because she was the la wife femme of du commandant de division a été arrêtée she was parce qu'elle était because, la femme de Un. Or, elle a été arrêtée the accusation was that she was involved parce qu'elle avait in été accusée d'être impliquée attempt. Dans le coup d'État et dans la rébellion. And there was an indication that she was the wife of Un, but she was also il est indiqué qu'elle était membre, qu'elle était femme hospital. De Un, mais elle était so également mentionnée comme étant la chef de l'hôpital. Donc, la question telle qu'elle est formulée implique que c'est à cause du fait qu'elle était la femme de Un qu'elle a été arrêtée. Or, c'est incorrect. Sorry, counsel. Juge Fentz, you're drawing implications. Maître, vous tirez ici at the moment we are une the beginning implication. Of questions. How do you rephrase the questions? Mais comment peut-on otherwise, reformuler la question arrested? Qui était obviously, de dire est-ce que d'autres femmes ont été arrêtées? Il va y avoir des questions dessus, mais pourquoi est-ce que vous faites une objection à cette question à ce stade?
Because the implication or the underlying assumption is obvious that whenever a commander was arrested, his wife would be arrested too. But that's the underlying assumption, and that's something which is incorrect. But that doesn't prevent this question. It might lead to the necessity to ask further questions. I agree with that. Maître Coppé, bien si c'est ce qui va se passer, alors très bien. Counsel, allow me to continue with my questioning. After the wife of Eun was arrested, après l'arrestation de la femme de Eun, arrest y a-t-il of the wives and children of other people who were under the supervision of Eun in that sous la supervision de Eun dans cette unité? Answer. Réponse. They said the North Zone soldiers and division 310 were traitors. Étaient des traîtres. And then Zone 203 from the east were also traitors. And people were arrested subsequently. Des traîtres, des gens ont été arrêtés par la suite. I also saw the arrest of the wives as well, but I did not know what happened to them or where they were taken to. My question to you is that were there arrests of wives and families of other military commanders? Commandants militaires ont été arrêtés. I refer to the wives and children of other people and not just the wife of Eun. Personnes et pas seulement de la femme de Eun. Réponse. There were successive arrests. Il y a eu des arrestations in my battalion. My battalion 313 as a witness. Darren, the driver, was arrested along with his wife, and I didn't know where they were taken to. Lawyer, thank you. I'm asking you now about what you said yesterday. Merci. You stated that in the division you were part of, you said that there was a unit working on the farm. Vous avez dit qu'il y avait une unité qui travaillait. Did that unit compose of dans les champs. Soldiers and family members of those soldiers? De soldats et des membres des familles de ces soldats. Answer. Every soldier was single. Réponse. Working on the farm. They were all single. Soldats travaillaient seuls dans les and champs. In battalion 314, not so et many people got married. The were married. The rest were, were single. Le reste était lawyer, thank you. Des célibataires. I am now asking you about the statement you made question. To the DCCAM. Je vais vous poser une question relative à votre entretien, in that votre statement, you stated that my supervisor was arrested in 1976 based on the network work. And I was also accused at the time that I betray. J'ai également été accusé de trahison. Certified 77-00-7877-00-001. E3/75-35-12-00-25-12-50. The year number correction from interpreter E3/75-37. So what do you mean by saying that those people were arrested according to their network? Entendez-vous par ces personnes ont été arrêtées en fonction de leur réseau? Pouvez-vous l'expliquer à la chambre? Answer. It was said that the réponse. Soldiers of the zone were all traitors, so these l'on people had to be arrested from time to time, so that these people were gone. And if the head was a traitor, the subordinates would be considered si the traitors as well. Traître, alors les subordonnés
Counsel, thank you. The co-prosecutor asked you about the arrests of those who were linked to CIA or UN agents. Les arrestations de personnes affiliées au UN. Did they explain about the involvement with the KGB or CIA agents? Ont-ils expliqué leur implication Answer, no, avec les UN they ou did CIA? Not explain about non, the reason of the involvement. I was de leur implication. Around 20 years old at the time. I did not know what a KGB or CIA was. Je ne savais pas ce que c'était la CIA ou le KGB. They came and they made mention about the notion, ils sont venus, ils which ont I exposé did cette not notion. Know at the time. Lawyer, thank you. I would like to backtrack question. A little bit. Merci, je vais revenir I want un peu to en arrière. Ask about your statement when you stated that you pour were vous poser des questions sur votre déclaration. At Plaquette-Millier. You stated that there were Korean and Chinese experts working at that hospital. I am not quoting from E3/75-37-00-00-196-44 and English 00-251-252. Regarding the Korean and Chinese assistants or Coréens experts, et Chinois, ou les experts, did they come Coréens et Chinois, with the Khmer Rouge? Sont-ils arrivés avec la Khmer Rouge? Answer. Réponse. Those Chinese made the visit at the hospital. Ces Chinois ont visité l'hôpital. I did not know the senior leaders at the time. Je ne sais pas qui étaient les dirigeants à l'époque. I was told that they were the Chinese. L'on m'a dit que c'était les Chinois. Lawyer, in the same document, you made mention about Yng Thiruth. You stated that Yng Thiruth came to visit the hospital two or three times. Besides her, did you know other senior leaders of the Khmer Rouge at the time? Connaissez-vous d'autres hauts dirigeants Khmer Rouge à l'époque? Answer. Réponse. I could recognize only Yng Thiruth at the time je because I often saw her. As for other leaders, namely Kyo Sampon and Nguyen Chia, I did not. I never saw exemple, those individuals, but I vu, heard of their names. Vu, mais j'ai entendu leur lawyer. Nom. You stated that there question. Was a three-day meeting. Vous avez parlé d'une réunion in the course trois of jours. That meeting, did you see Kyo Sampon or Nguyen Chia attending that meeting? Participer à cette réunion. Answer, I did not see them. Réponse, je ne les I ai pas vus. I saw the people who were in charge of my unit. J'ai vu les responsables de mon unité. Lawyer, I am now asking you question. About the arrests. You told passons the co-prosecutor about the arrests. In the same document, you made mention about the year 1976. Vous avez donné from early 1976 up until you were transferred to Kampong Chhnan. Au moment où vous avez été transféré à Kampong Chhnan. Did arrests happen from time to time? Y a-t-il eu des arrestations de temps en temps? First, Bong Yiet, my supervisor, was arrested. Mon superviseur a d'abord été arrêté. Then I was ensuite, sent to Kampong Chhnan. J'ai été envoyé à Kampong Chhnan. And members of my battalion were reassigned to other locations. Les membres de mon bataillon ont été réaffectés à d'autres localités. And I did not know where they were sent to. Je ne sais pas où ils ont été envoyés. Lawyer, thank you. I am now asking you about Kampong Chhnan airfield. You have told the court extensively about the working conditions vous at that location. My question now is about the shelters you resided or the place where you were living, and you parlons told the court about the food condition vous as well. Vous concerning the place where you lived, were
shelters or houses built for workers to stay in? Ont-ils été construits pour les travailleurs? Des maisons ont été construites pour abriter les travailleurs? They built a long hall with thatched roof, and we were allowed to stay in that long hall, but there were partitions installed in that long hall, and there were sheets on the floor for us to sleep on. Lawyer, what about water and latrines? Did they build enough latrines for you? L'on a pu dormir à cet endroit. Question, qu'en est-il des toilettes? Answer, yes. Des latrines ont-elles été construites? In fact, we had enough water to drink, oui, but for fait, water to bathe ourselves, we did not have enough water. À boire, mais we pas assez d'eau was pour very se busy laver. With our work. Nous étions we did not have très much time. Par notre travail. We did not have time to go nous and bathe ourselves. Sometimes we would have no water for 2 days. Parfois, nous manquions d'eau lawyer, pendant deux thank jours. You. You made mention about blasting L'avocat, the merci. Rock. Vous avez parlé du dynamitage de la roche. Or the ignition of the fuse or wick in order to get the stones or rocks to build an airfield runway. You made mention also about the injured people. My question now is about whether or not there were medics to treat J'aimerais people si who got injured at that airfield. Pour soigner les personnes blessées à l'aérodrome. There were medics, but réponse those medics could only wrap the wounds and Mais then the injured workers would be sent to Kampong Chinang. Et les soldats blessés étaient envoyés à Kampong Chinang. Bandage were used to wrap the wounded and des bandages then they were sent to the hospital lawyer. Did workers suffer from fever and cold? Les soldats souffraient du froid et de la fièvre. Answer. Yes. The medicines were limited for treatment of those people and for serious patients, they would be sent to Kampong Chinang. Lawyer, what about the sick worker? If they felt sick, were they allowed to take rest? Qu'en était-il des malades? Les malades étaient-ils autorisés à se reposer? We would be diagnosed properly by the medics because they were afraid that we pretended to be ill. Car ils avaient peur qu'on le feigne d'être when malade. We were not really seriously sick, we would still try to go to work, although si on n'était pas gravement malade, we were exhausted. We understand. We si understood on at the time that the place was for refashioning, that's why on we had to work hard. Lawyer, regarding the diagnosis, question. How did they know that one individual was really sick or not, concernant as you were a medic at the time. Que telle personne était vraiment malade ou non, gravement malade ou non? Answer. En votre qualité d'infirmier à l'époque, comment pouviez-vous le savoir? They had the medical equipment réponse, ils to diagnose us. And if we had a fever, they would prescribe si on avait de la fièvre, paracetamol for us to drink, and if we was really sick and had a fever, they would allow us to take rest for a brief moment. And if we were not really sick, we would be made to go to work, lawyer. And did people die at your area? Question: les gens sont-ils morts dans votre localité? Answer. One of my colleagues collapsed at the time and he was sent to the hospital. I did not know if he died later on. The workers there were skinny. Les travailleurs étaient maigres. Lawyer, now I am continuing my question in relation to the statement you made about the removal of people. In the same document, it reads last.
75 33 00 01 96 98 English 00 251 252. Where were these people sent to? Où ont été envoyés ces gens? Answer. Réponse. I did not know. Je ne sais pas. I was trying to perform my work in order to keep myself survive. I did not care about other people's lives. I did not care about them because it was said that Anka had a pineapple eyes. Parce que l'on disait que l'Anka avait les yeux de la nana. To your observation, question. To your own observation at the airport or airfield of Kampong Chenang. À l'aérodrome de Kampong Chenang. Did you observe there were a female and male workers? So, who was the majority? Des travailleurs, hommes et femmes. Answer. There were no female workers. All of them were male workers. Réponse. Il n'y avait pas de femmes. Tous les travailleurs étaient des hommes. Were there children question, working at a work site close to that airfield? Qui travaillaient dans un chantier proche de answer, l'aérodrome. I did not observe that there were réponse, children. Je n'ai pas vu d'enfants. But there were adolescent soldiers of around 17 or 18 years old. Âgés de 17 à 18 lawyer, ans. During the 3 months there, question. Did you ever observe que vous y avez passé? The leadership making the visit at that airport's airfield, at the Kampong Chenang airfield, rather? À l'aéroport ou l'aérodrome de Kampong Chenang? Yes, they were walking with the Korean and the Chinese, oui, but I did not know which level Chinois, they were from. Mais je ne sais pas de quel échelon ils relevaient. Lawyer, I asked you whether or not question. You have heard of the name Mehmet si Osumit. Entendu le nom de Mehmet ou Sumit. Answer, I did not know at the time because I did not dare to ask others. While we were working, we were not allowed to speak to one another. And when we returned to our shelters, we were on our own and take rest livrés à nous-mêmes to prepare for the next time, next working time. Nous devions nous reposer lawyer. Pour le prendre le prochain tour de regard, service. What about meetings? Question. Qu'en est-il des réunions? Were meetings held weekly or on a daily basis? Au quotidien ou sur une base hebdomadaire? Answer. Meeting réponse. Would be held once in every 3 days. Les réunions se tenaient une fois tous les trois jours. Lawyer, since there were meetings. Question. Did Anka or heads of groups came to call people out at night? L'Ankar, notamment les chefs de groupe. Answer. Sont-ils venus convoquer yes. les gens dans la nuit? But we were told that these people réponse. Were removed oui. from one place in Mais order to be reassigned to another location, était lawyer. Réaffecté, my question était is, were people removed ailleurs. At night time? Question. Ma question était de savoir si des gens avaient été retirés dans la nuit. Answer. No. Réponse people non. were removed at daytime, and at the next morning we would be told that these people were le reassigned matin, to another location. Lawyer, my last question now is about the members of your units, particularly regarding those who were removed in the period of 1975 up to 1979. Did you observe that they returned back home after they were removed? Revenir chez eux après answer. Avoir été retirés. We were living
Réponse. You're not close to one another. I never saw them, and they never saw me. After 1979, I have never seen each other. Lawyer, thank you very much, Mr. Witness. Mr. President, I'm done with my questioning. L'avocat. Merci, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, j'en ai terminé. President, thank you. And the floor is now given to the defense team for Mr. Kézenfront to put questions to the witness. You may now proceed. Pour interroger le témoin. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Thank you, Mr. Bonjour à tous. Bonjour, Good Monsieur le témoin. Je m'appelle Anta Guisset. Je suis co-avocat international de M. Kézenfront aux côtés de mon confrère Kang Samon. Et j'ai quelques questions de suivi sur votre déposition. Ce ne sera pas très long. I will be relatively brief. Je vais essentiellement m'intéresser à votre période sur le site de l'aéroport de Kampong Chhnang. Vous avez donc indiqué que vous êtes resté pendant trois mois sur ce site de travail. Je voulais savoir si vous avez su s'il s'agissait de la construction d'un aéroport militaire ou d'un aéroport civil. I was not aware of that. Je n'étais pas au courant de cela. I did not know whether that airfield was je ne savais pas for civilians or for military. Or what I was told at the time was that the airfield would be built for war aircraft. C'est que l'aéroport devait être construit pour abriter les avions de combat. Donc vous savez quand même que s'il s'agissait d'abriter des avions de combat, comment avez-vous eu cette information? Combat aircraft. How did you have that information? How did you come by it? I was reassigned to that location to work. À cet endroit pour y travailler. I was urged by my supervisor at the location that I had to work hard because the airfield was used for the warplanes, so for big airplanes to land. Devait être destiné aux gros porteurs pour leur permettre d'atterrir. Vous avez évoqué votre supérieur. Est-ce que vous savez si votre supérieur était un militaire ou un civil? Do you know if your supervisor was a military or civilian person? Direct supervisors were all soldiers. They were not civilians. Mes supérieurs directs étaient tous des soldats. Ce n'étaient pas des civils. Vous avez indiqué également que à l'aéroport de Kampong Chhnang, vous étiez en compagnie de certaines personnes qui étaient de votre bataillon, c'était les gens que vous connaissiez. Et j'ai cru comprendre que vous avez indiqué qu'il y avait d'autres personnes qui venaient de différents régiments que vous ne connaissiez pas forcément. Est-ce que vous avez le souvenir ou est-ce que vous savez de quelle division ou de quel régiment ces gens venaient, même si vous ne connaissez pas leur nom à eux? People from a different division, for example, division 310 were sent there as well. Those members from a certain division who were linked to a political trend, were considered enemies. Étaient considérés comme étant des ennemis. À part la division 310, est-ce que vous avez le souvenir d'autres détails, de nombre de régiments, d'autres divisions, d'autres bataillons? Regiments or battalions, for example? I was not familiar with the divisions. They were from a different division. Rather, regiments. We were there and we were working hard in order to survive. Régiment. Nous étions là-bas et nous travaillions dur pour survivre. Vous avez indiqué que vous travaillez, j'ai cru comprendre en tout cas, de façon assez rapprochée avec un spécialiste sur, en pose d'explosifs ou de dynamite. Est-ce que cette personne qui travaillait avec vous venait de votre
who worked with you come from your division? Ou est-ce qu'elle venait d'un autre endroit? Or was this expert coming from somewhere else? เนี่ยมาทำการน้องสัตว์มาปีกองปวลบ่า The workers were sent from divisions, but some of them were from different battalions and regiments. So we did not know each other. Venaient d'autres bataillons et de régiments. Nous ne nous connaissions pas. Est-ce que vous savez pour les personnes qui étaient en charge de la pose de la dynamite? Où ils avaient reçu leur formation. Est-ce que vous savez si c'était les techniciens chinois dont vous avez parlé qui ont leur ont donné cette formation ou est-ce qu'ils avaient eu cette formation auparavant? ពេលនោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះឃើញតតគ្នាឃើញដុតនោះតែ Je ne sais rien à ce sujet. And I did not know where they learned that kind of skill from. Je ne sais pas où because ils ont they, été formés. They knew how to ignite the dynamite, but Car I did not know where they learned that skill from. Mais who je they ne learned sais that skill from, rather. Auprès de qui ils ont obtenu ces compétences. Je voudrais revenir quelques instants sur un point qui a été abordé par M. le coprocureur. Il a en effet cité une transcription d'un passage audio de votre déclaration devant les conjuges d'instruction. Et je voudrais donner les références exactes à la Chambre et aux parties. C'est la transcription audio, donc, porte la référence E-R-N en français 0-1-3-5-8-6-5-4 Je crois que malheureusement nous n'avons pas encore la traduction en anglais de la transcription, mais il s'agit au niveau des références temporelles. Donc de la transcription partielle du document audio D231-24R entre la 58e minute et 45 secondes et la 59e minute et 31 secondes. Et c'est là effectivement que la question vous est posée très clairement par l'enquêteur en vous demandant qu'en est-il des blessés suite aux explosions? Ont-ils péri après? Et vous répondez, non, il n'y a jamais eu de mort, mais plutôt des personnes gravement blessées. Et vous précisez par la suite que les personnes gravement blessées étaient envoyées à l'hôpital. Répondant à M. le coprocureur, vous avez indiqué que les personnes étaient transférées à l'aéroport provincial, je crois que vous avez dit, de Kampong Chenang. Est-ce que vous l'avez répondu tout à l'heure, en répondant à Monsieur le coprocureur. Cet hôpital, saviez-vous sous l'égide de qui il était contrôlé? Est-ce que c'était un hôpital militaire? Est-ce que c'était un hôpital civil? Est-ce que vous savez qui était en charge de cet hôpital? ក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគ្រប់គ្រងដោយភូមិភាគ502បាទ The hospital was in charge by 502 a division from southwest par la 502 une division du sud-ouest. D'accord, donc je comprends de votre réponse qu'il s'agissait d'un hôpital militaire. I understand that it was a military hospital, is that correct? បាទពេលនោះទូពេទ្យនោះជាមន្ទីរពេទ្យយោធាពួកគេ was a military one. C'était un hôpital militaire. Used to treat workers who had mistakes and were sent from Kampong Chenang airfield. Les travailleurs qui avaient commis des fautes et qui avaient été envoyés à l'aérodrome de Kampong Chenang. Est-ce que ça veut dire que et ça c'est si vous le savez déjà, premier point, est-ce que vous-même vous êtes allé personnellement à cet hôpital? Did you yourself go personally to this hospital? Bah,
khnyom thloap tau samrak dai pruoh pe nong khnyom hospitalized because I was so exhausted at one point in time and I j'étais tellement épuisé. Was suffering from a malaria so I was sent to the hospital. J'ai donc été envoyé à l'hôpital. Je suppose, compte tenu des descriptions que vous avez faites auparavant, que vous avez été envoyé à l'hôpital après avoir subi un examen de la part des soignants dont vous avez évoqué la présence sur le site de l'aéroport. Examination by the medics who were on site at the airport. Is that correct? Yes. Oui. Vous avez répondu un petit peu plus tôt que cet hôpital était spécifiquement consacré aux personnes qui travaillaient sur le site de l'aéroport de Kampong Chhnang. Est-ce que j'ai bien compris, il n'y avait parmi les patients de cet hôpital que des gens qui étaient du site de l'aéroport, c'est bien ça? From the airport site in this hospital, is that correct? That hospital was used to treat workers from the airfield. Those who were sick were sent to that hospital. De l'aérodrome. Les malades étaient envoyés à cet hôpital pour traitement. D'accord. Puisque vous-même, vous avez été envoyé à cet hôpital, est-ce que vous vous souvenez comment vous avez été transporté? Est-ce qu'il y avait une unité spéciale chargée du transport des malades ou des blessés à cet hôpital? Comment s'est passé votre transfert à vous? So how was your transfer organized? Regarding the transfer of me, there was a vehicle, the Korean-made one. Pour mon transfert, il y avait un véhicule de fabrication coréenne. If one was found that he or she was he was seriously sick, that individual would be sent to the hospital in Kampong Chhnang. Elle était envoyée à l'hôpital à Kampong Chhnang. J'en ai terminé sur mes questions par rapport à l'hôpital et je voudrais revenir quelques instants sur votre travail à l'aéroport de Kampong Chhnang et précisément aux questions auxquelles vous avez répondu, notamment sur le repas. Première question, vous avez évoqué votre travail avec les personnes qui étaient en charge d'explosifs pour café de la roche. Vous avez également évoqué des gens qui étaient en charge de transporter ces roches pour la piste d'atterrissage. Ma question est de savoir est-ce que vous faisiez tous partie de la même unité ou est-ce qu'il y avait une unité différente pour les gens qui s'occupaient de creuser et de faire exploser de creuser la terre et de faire exploser les roches et une unité différente pour ceux qui transportaient les pierres. We were divided into different groups, and we worked based on our assignment. Sometimes we were ordered to dig the dirt, but at other times we were ordered to break rocks. So we did not do any particular work all the times, but we did different works at different times. Nous effectuions des tâches différentes en fonction du moment. Et en ce qui concerne les repas, est-ce que vous preniez vos repas avec que les gens de votre unité, de votre groupe, ou est-ce que c'était des repas collectifs avec l'ensemble des personnes qui travaillaient au même endroit à ce moment-là? During the break time, we ate in our group. Nous prenions notre repas and dans notre groupe. Did not eat with other groups. Et nous ne prenions pas notre repas avec d'autres groupes. D'accord, donc si fine. Je comprends so bien ce qui concerne well, tout ce qui est ration alimentaire et fréquence des repas, vous ne pouvez donner meals, d'informations qu'en ce qui concerne you can only votre speak groupe, about c'est your ça group. Is that correct?
Yes, I already knew about what happened in my group. Je n'étais au courant que de ce qu'il se passait dans mon groupe. Je ne pouvais pas me déplacer pour aller voir ce que faisaient les autres groupes, puisque nous n'avions pas le droit de le faire. Vous avez indiqué que vous avez quitté l'aéroport de Kompongshtang Airfield. Vous avez été à nouveau réaffecté à l'unité en charge de prodiguer des soins parce qu'il y avait eu, c'est l'information que j'ai comprise, parce qu'il y avait eu une attaque des Vietnamiens sur le territoire du Kampuchea démocratique. Est-ce que vous arrivez à situer la période à laquelle vous avez été réaffecté à une unité en charge de prodiguer des soins? In 1978, they said that Vietnamese troops attacked Cambodia and our prisoners at the airfield had refashioned, so they were no longer considered offenders, and for that reason we were sent to counter the advancement of the invasion by the Vietnamese troops. Et ils ont été envoyés pour lutter contre les troupes vietnamiennes. Vous évoquez 78, vous voulez savoir si vous avez le souvenir d'une période plus précise. Est-ce que c'était au début de l'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année? Est-ce que vous vous souvenez d'une saison peut-être? At the end of the year, do you maybe remember the season when this happened? It was during the big flooding season in 1978. Parts of Phnom Penh were flooded, so it was a rainy season. C'était donc la saison des pluies. Comment avez-vous reçu l'information lorsque vous étiez encore à l'aéroport de Kampong Chhlang, que vous alliez être réaffecté à l'unité de soignants? Qui est venu vous donner cette information? Sous quelle forme? Est-ce que c'était quelqu'un qui est venu vous parler directement? Est-ce que c'était dans le cadre d'une réunion? Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? We were removed from Kampong Chhlang, and then we stayed at a school near Tak Mau Market, and we were told that we would be sent to fight in Mae Mot. Because in Mae Mot, the Vietnamese troops attacked fiercely. So we were on a speedboat and disembarked at Tonle Bot. Et nous avons été débarqués à Tonle Bot. And when we arrived at Suwon, I was assigned as a medic attached to the army. Rattaché à l'armée en tant qu'infirmier. D'accord. Fine. Ma question va donc être la suivante. So I will ask you the following question. Vous avez été enlevé et que c'est après qu'on vous a donné cette information. Est-ce que avant votre départ à vous et les éventuelles personnes qui vous accompagnaient ce jour-là, est-ce qu'il y avait d'autres groupes de soldats qui ont été enlevés et qui ont été affectés ailleurs? Est-ce que c'est une information que vous avez ou est-ce que vous ne le savez pas? Quand vous dites j'en ai vu beaucoup lorsque nous étions à l'école à Tak Mau, vous voulez dire que vous avez revu des gens à l'endroit où on vous a informé que vous étiez réaffecté à une équipe de soignants, vous avez vu d'autres personnes qui ne faisaient pas partie spécifiquement de votre bataillon, mais qui étaient avant à l'aéroport de Kampong Chhlang et qui se sont retrouvés dans la même école, c'est ça? Airfield and who ended up in the same school as you. There were many workers who came from Kampong Chhlang Airfield and who stayed at that school in Tak Mau.
Monsieur le Président, j'en Mr. President, I'm done with my questions. Mon confrère Consamon n'a pas de questions. My colleague Consamon has no extra questions, so we are done with our cross-examination. Je vous remercie, Monsieur le témoin, la Chambre vous est reconnaissante d'être venu déposer en tant que témoin. Votre contribution à la manifestation de la vérité dans le cadre de cette affaire, votre présence dans le prétoire n'est plus nécessaire, vous pouvez rentrer chez vous, aller là où vous vous semblez. La Chambre vous souhaite bonne continuation. Court officer, please work with the visu. Veuillez vous concerter avec l'unité d'appui aux témoins et aux experts et prendre les dispositions nécessaires au bon retour de M. Trech chez lui ou là où il souhaitera se rendre. And Mr. NUON Trech, you are now excused. Monsieur NUON Trech, vous pouvez à présent vous retirer. Bah, 1062, and second issue is in relation to the testimony of a civil party sovereign, that is 2 TCCP 237, who testified in this courtroom, but who dans le prétoire, mais did not conclude his testimony. Qui n'a pas encore achevé so first, let hear the oral je propose d'entendre en premier lieu remarks or submissions by the parties concerning the first issue. Abordé. The chamber decides to appoint the expert to TCE 1062, who will come to testify on the 14th. Qui viendra December 2016. Le 14 décembre 2016. And through an email by the legal officer, that the parties shall inform the chamber if they wish to make submission pursuant to Rule 87.4 in relation to the testimony of these experts to TCE 1062 by the latest 6th of December 2016, and that the chamber would hear the oral submissions and responses on the 7th of December. And yesterday, the chamber received confirmation from Defense Counsel for NUON Trech, some point OCP, and the lead co-lawyers that they do not wish to make any submission in relation to Rule 87.4 concerning these experts. And the OCP wishes to submit three documents as evidence. And for that reason, the Chamber would like to hear the oral submissions and the responses by other parties. La Chambre souhaite first, the floor is given to the co-prosecutor to make the oral submission in relation to your request that you wish to submit three documents as evidence concerning the expert to TCE 1062. You have the floor. Vous avez la parole. Thank you, Mr. President. L'accusation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je serai bref. These three documents are documents that the trial chamber obtained from the expert himself de l'expert lui-même, and put on the shared material drive in October this year. Au dossier en partage so these are documents cette année that au mois d'octobre. Were clearly not available ce sont des documents to the parties qui n'étaient pas disponibles avant le début du procès. Pour les parties. Clearly relevant, ces documents sont manifestement pertinents case, par rapport aux questions the first two are, abordées à l'heure actuelle. D'abord, les deux premiers documents présentent des informations supplémentaires au sujet de l'étude qu'il a faite par rapport aux dépouilles de Chung-ek, particulièrement une liste très détaillée présentant
skulls that bore marks of torture, force or execution. Portés par les crânes aux exécutions forcées. These are clearly materials that will be of use in examining this expert. Utiles pour l'interrogatoire de ce témoin. Le troisième document qui est présenté est présenté essentiellement parce qu'il s'agit d'un entretien qui a été mené par l'expert ou son équipe de Mbui, qui était un témoin de S21 qui est déjà venu comparaître devant la Chambre. Et donc, nous pensons, étant donné la pratique en vigueur par la Chambre, qu'il est approprié de verser en preuve ce document qui est un interrogatoire de Mbui. Notre requête consiste donc à faire admettre en preuve ces trois documents qui avaient déjà été obtenus par la Chambre. Thank you. Le Président, merci. Le juge Lavergne a la parole. Yes, just a point of clarification. Can you tell us if these documents are available in Khmer or possibly in other languages? I must confess that I don't quite remember. I believe that these are documents that were originally drafted in Khmer, but were they translated? Yes, all three of them have been translated into both languages. So in the email I circulated, I list the ERNs in all three languages for each document. Les ERN dans les trois langues pour chacun des documents. Donc oui, les documents ont bel et bien été traduits. And Elena, to hand the floor to the lead co-lawyers for civil parties to respond or to make an observation regarding the OCP's request. Au sujet de la requête des coprocureurs. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. We will rely on the Chamber's wisdom. Thank you. Elena, to hand the floor to the defense team for NUON CHEA. À commencer par l'équipe de défense de NUON CHEA. Yes, Mr. President. Merci, no objections. Pas d'objection. To the request, we do have some question marks. Nous avons toutefois un certain nombre d'interrogations. The relevance quant à la pertinence of Him Hui's interview. De however, l'entretien de Him Hui. We believe that the interview toutefois, nous pensons is que cette interview in order to be able est pertinente car elle permettra d'évaluer la méthodologie the research that the expert has done, appliquée par l'expert dans ses recherches. C'est pourquoi nous n'avons pas d'objection égard à ce document. Thank you. And now the co-counsel for Kiel Sampon, you have the floor. No specific observations regarding the two first documents. Regarding the last document, however, which is a transcript or in any case a summary, I don't know exactly how to qualify it, of statements from Him Hui, nothing new regarding the substance, and in relation with the statements that Him Hui has already given before this chamber. So this seems a bit superfluous, but otherwise no objection. Thank you. Let me now move to the second item. And the chamber would like to hear oral responses from the parties in relation to the testimony of civil party South Haven, who testifies on the 8th of November 2016, and who was questioned by lead co-lawyers and civil parties. But Mr. South Haven no longer wish to continue his testimony. And for that reason, since Mr. Sosaran appears as a civil party, the chamber cannot compel him to testify before this chamber. And the chamber recalls that on the 29th November 2016, the chamber informs the party via an email from the senior legal officer that the chamber decided to remove the civil party Sosaran from the list of witnesses and civil parties. Yesterday, the chamber informs the parties that it wishes to hear oral responses from parties in relation to the use of inculpatory evidence provided by civil party Sosaran.
First, the chamber had to fall through the co-prosecutors to provide oral remark or observation regarding this matter. Rather, first, I'd like to give the floor to a counsel Copper. You had the floor. Vous avez la parole. Yes, Mr. President. It was indeed us who requested the chamber to be allowed to make some oral submissions la possibilité de présenter des arguments à l'oral en ce qui concerne Sao Sarun, et je suis ravie de le faire. As parties in chamber, les parties et la chambre le savent très certainement. With Sao Sarun, Sao Sarun. In case 002/01, he was also avait déjà comparu lors du premier procès, il avait été cité à comparaître et très soudainement il avait décidé qu'il n'avait plus envie de déposer. Donc inutile de rappeler tout ce qui s'est passé, mais une requête avait été faite par l'accusation à ce moment-là pour que cette partie civile revienne dans le prétoire et au bout du compte, il n'est pas revenu. We were a bit surprised that now donc nous avons été surpris de voir que soudainement maintenant cette personne était disponible pour témoigner dans le cadre du deuxième procès in this courtroom. Et venir comparaître dans le prétoire. He initially, as we au all début, know, comme nous le savons tous, il a répondu à des questions posées par l'accusation civil party, et par les parties civiles. Les co-avocats pour then, les parties civiles. Because, puis nous avons été contraints de marquer une pause car, si je me souviens bien, nous manquions de temps. He was supposed to come back il était censé and revenir. Il était censé répondre aux questions teams. Qui allaient être posées par les équipes de défense à ce moment-là. Cependant, as you indicated, Mr. comme vous l'avez indiqué fort justement, Monsieur le Président, we received an email nous from avons one reçu of the legal un officers email indicating de la part that, de l'un des juristes hors classe qui nous a indiqué que, apparemment, come. Il était malade. However, il ne pouvait pas at one point in time, cependant, à un moment donné, we also received, nous avons également reçu un email a report, ou un rapport from WESU, de la part de l'unité d'appui aux témoins et aux experts. Fourni sometime aux parties, at the end of last month, part, I believe it's E29/503. And from this WESU report, dans ce rapport we, envoyé par l'unité d'appui aux témoins et aux experts, report we can read that, on peut lire Sao Sarun que Sao Sarun indique that he doesn't want to testify, ne plus vouloir quote, témoigner, if he is not je cite, granted si to live on ne lui permet in, pas third countries, unquote. D'aller vivre dans un pays tiers. And apparently, in his conversations apparemment, with WESU, au cours de ses conversations avec l'unité d'appui aux témoins et aux experts, il aurait indiqué requested, the court avoir demandé à la to, Chambre quote, help him son aide to intervene of his request to live in third countries pour intervenir en faveur de sa requête lui permettant d'aller vivre dans un pays tiers and non-government organizations in Cambodia or others, en faisant unquote. Appel à une ONG ou à une autre organisation au Cambodge. It's a bit of a variation of concerns that c'est he, un petit peu différent uttered, en termes in, de préoccupations par rapport 13. À ce qu'il avait invoqué lors de l'été 2013. To recall also the recommendations rappelons également, c'est intéressant, la recommandation formulé par l'unité d'appui aux témoins et aux experts qui dit dans ce rapport du 29 novembre 2016, je cite à nouveau, l'unité n'est pas en mesure de comprendre complètement l'extrême peur de cette partie civile étant donné le grand nombre d'incohérences. L'unité n'est pas non plus en mesure d'identifier une base objective sur laquelle sont fondées unquote. Ces peurs. And then it says, subsequently, par conséquent, Mr. Sarsarin's initial, initially requested for la protection requête measures initiale made de mesures de protection formulée dans le prétoire de M. Sarsarin dans le cadre du premier procès du deuxième dossier, testify, avant de poursuivre sa déposition, was not granted, n'a pas été octroyée. This time,
says Wessou, he does not request protective measures, but asks la partie civile ne demande pas de mesures de protection, mais demande à la Chambre de lui trouver asile dans un pays tiers. Il y a une incohérence apparente avec sa peur d'anciens soldats Khmer Rouge qui pourraient prendre des mesures de représailles à son encontre pour avoir coopéré avec le tribunal. L'unité d'appui aux témoins et aux experts n'est pas en mesure à l'heure actuelle de recommander d'autres mesures de protection supplémentaires. We fully agree or understand these recommendations. Nous comprenons et nous sommes d'accord avec ces recommandations. Nous pensons qu'il n'y a effectivement aucune raison d'accepter the reasons that were provided, les motifs to Wessou by Sarsarin, qui ont été fournis par Sarsarin à l'unité d'appui aux témoins et aux experts. Now then, of course, the important question. Alors la question importante qui se pose est la suivante: que faire maintenant, puisque la Chambre a indiqué que cette partie civile, ou plutôt que la Chambre ne veut plus continuer d'entendre la déposition de cette partie civile? Que faire de ce qui a déjà été donné lorsque la partie civile a comparu et répondu aux questions de l'accusation et des co-avocats principaux pour les parties civiles? Substantial amount of evidence that he has given. Nous avons bon nombre d'éléments de preuve qui ont été donnés le 8 novembre 2016 dans le prétoire qui n'inquiètent pas la défense. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, qu'à un moment donné, j'ai pris la parole, j'ai réagi à un certain nombre de questions posées par l'accusation et j'ai demandé pourquoi ce témoin était pertinent dans le cadre du segment consacré au rôle de l'accusé. Il a parlé de voyages au barrage, cela ne nous pose pas de problème. Nous n'avons pas prévu de poser des questions d'ailleurs à ce propos. Toutefois, il y a un sujet qui lui est important et j'étais pleinement préparé à l'interroger et à poser des questions de suivi à ce propos. C'est le sujet qui a été soulevé par l'accusation, le sujet qui porte sur les anciens soldats de l'ONOL et fonctionnaires, à savoir s'ils ont été tués dans la zone Est, là d'où lui venait à cette époque-là. À savoir s'ils ont été tués. L'accusation, vous vous en souviendrez peut-être, avait interrogé le témoin en lui présentant un extrait d'une déclaration faite lors d'un entretien de Ok Bun Chung à Ben Kiernan. Nous avions formulé une objection. Nous avions le sentiment que cette déclaration n'était pas représentative et qu'il aurait fallu également, à ce compte, citer Heng Samrin. D'autant que la Chambre de la Cour suprême est d'accord avec cette position si l'on tient compte de l'arrêt qui a récemment été rendu. Mais ce qui est très intéressant pour la défense, tout particulièrement, c'est que c'est le premier témoin à avoir jamais comparu devant la Chambre, a donné des éléments de preuve sur une possible exécution des soldats fonctionnaires de l'ONU dans la zone Est. As the chamber is undoubtedly aware, la Chambre le sait sans doute. Ben Kiernan, in his book, Ben Kiernan dans son livre, The Pol Pot Regime, makes extensive efforts to show s'emploie that there was no à montrer qu'il n'existait pas de politique dans la zone Est consistant à exécuter les anciens soldats et fonctionnaires de l'ONOL. Et je vous renvoie spécifiquement au document E3/1593, ERN en anglais. I just have the quote. I will j'ai seulement la citation. Je vous présenterai ERNs a bit later. Les ERN he talks about release of at one point 400 former il dit moment donné 400 who were quote unquote given permission to rejoin the families.
another fonctionnaires 580 du régime de l'ONOL ont reçu la permission de recevoir, de revenir vers leur famille. Who were allowed to return et to their d'autres villages. Personnes ont également so, obtenu la possibilité who, for the first time, de rentrer dans leur village. Donc pour un témoin, view, on a un témoin qui, pour aspect, la première fois, contredit ce point de vue. À savoir maintenant si cela est vrai ou faux, c'est une toute autre paire de manches. Ce qui nous intéresse également, c'est que si son témoignage s'avérait exact, cela voudrait dire que la personne responsable des exécutions est quelqu'un qui devrait être cité à comparaître devant la Chambre, dont nous avons demandé la comparution à plusieurs reprises, à savoir Ouk Bunchung, parce que c'était lui qui était responsable du district au sein duquel ces exécutions alléguées auraient eu lieu. Donc, si il ne vient pas, naturellement, je n'aurai pas la possibilité de contre-interroger le témoin sur toutes ces questions. Mais la conséquence d'une telle décision doit être que les réponses qu'il a données au co-procureur doivent être réputées non utilisables puisque la défense n'aura pas eu la possibilité de contre-interroger le témoin. Legally, sur le plan juridique, il me semble que c'est un débat intéressant que de se demander que faire I believe there might des témoignages qui ont déjà eu lieu dans le prétoire. Et là, je pense qu'il existe des différences entre le système de common law et le système de droit civil, parce que dans le système de common law, il est possible d'effacer complètement un témoignage. En revanche, dans mon système, dans le système français, dans le système de droit civil, ceci est très difficile, puisque des juges professionnels doivent ou sont considérés comme étant aptes à ne pas tenir compte de certains éléments de preuve. I don't think the situation has arisen so far. Pour l'instant, cette situation ne s'est pas présentée encore dans le prétoire. La requête, donc ici, serait serait dans un premier temps de reconsidérer la décision et de citer cette personne à comparaître à nouveau. Je ne pense pas que M. Savsarin ait donné de raisons véritablement valables permettant d'ignorer une citation à comparaître du tribunal. Si tel n'est pas le cas, si cela n'est pas possible, si l'on considère que reciter cette personne à comparaître ne va pas dans l'intérêt de la justice, alors il faudrait biffer entièrement son témoignage. Voilà la position que nous adoptons, Monsieur le Président. Le Président, merci. Je vais à présent passer la parole à l'accusation pour répondre aux observations du Conseil de la Défense de Nunchia. Defense counsel for Khieu Samphong, do you wish to stand last or do you wish Maître to Gessé, make your observation vous voulez intervenir now? En dernier ou vous voulez passer maintenant? Je ne sais pas, peut-être pour le caractère complet de la réponse des co-avocats des parties civiles et des co-procureurs, ce serait peut-être plus simple que nous intervenions en même temps, comme ça il n'y aurait pas de double réponse. Je me plierai à votre décision, mais je pense que c'est peut-être logique compte tenu d'une similitude de vue, en tout cas sur certains points de la défense de Nunchia, que nous puissions which would somehow agree with those of Nunchia if we could lay out our position now, but it is according to what you would like. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Du côté de la défense de Khieu Samphong, la position va être plus radicale que celle de l'équipe de Nunchia, parce que pour nous, la question est très claire, la réponse à la question de savoir que faire de la déposition de Savsarin faite devant la Chambre est très claire. Tout simpement, vous ne pouvez pas en tenir compte sur quelque sujet que ce soit.
Effectivement une inspiration de procédures à la droit civil et bien sûr de common law. Jusqu'à présent, le principe de la Chambre, et c'est confirmé encore par un mémo récent, c'est que non seulement il y a un débat contradictoire, c'est le principe de la Chambre, mais c'est aussi un principe général en droit pénal. Non seulement il y a le principe du contradictoire sur l'ensemble des éléments, mais lorsqu'on appelle un témoin particulier ou une partie civile à déposer devant la Chambre, il faut que l'on puisse, pour tenir compte de ces déclarations, que l'on puisse avoir les questions de l'ensemble des parties. Éventuellement la Chambre, et bien évidemment la défense. Si la défense n'a pas eu l'opportunité de poser ses questions, bien le débat contradictoire n'a pas eu lieu pleinement. Et dans ces conditions, ça veut dire que la preuve est bancale et qu'on ne peut pas l'utiliser. Je dois dire que du côté de la défense de Constantin, nous avions senti venir cette difficulté et la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, puisque, et je renvoie à nos écritures E305-9, qui date quand même de mai 2014, 30 mai 2014, où lorsque nous avons su que le co-avocat des parties civiles et les coprocureurs demandaient à nouveau que M. Sarsarine, cette partie civile, revienne déposer devant la Chambre, nous avions dit trop c'est trop, parce que, comme l'a rappelé mon confrère, il y a eu un précédent dans le procès 02-1, pas qu'un précédent d'ailleurs, il y en a eu deux, puisque c'est à deux reprises que Sarsarine s'est présenté devant cette Chambre et que c'est à deux reprises qu'il a refusé de continuer la poursuite de son interrogatoire, sachant que, comme pour le procès 02-2, M. Sarsarine a refusé de continuer à répondre aux questions à partir du moment où le co-avocat des parties civiles et les coprocureurs avaient terminé leur interrogatoire. Et je rappelle ce que nous avions dit au paragraphe 38 de ces écritures, je cite, « Il va de soi que la défense s'oppose fermement à ce rappel, qui, outre le fait qu'il est répétitif et inutile compte tenu de l'expérience dans 02-1, expose à nouveau la Chambre au risque d'une situation frôlant le ridicule face à une partie civile ingérable et dénuée de crédibilité. Suffisamment d'heures d'audience et de journées de travail ont été perdus sur cette seule partie civile. Fin de citation. Nous voilà aujourd'hui, le 7 décembre 2016, à devoir à nouveau nous pencher sur la question de Sarsarine, qui en tant que partie civile a le droit de ne pas vouloir témoigner devant cette salle d'audience. Ce n'est pas un témoin, c'est une partie civile qui a un peu le même statut en ce qui concerne son témoignage qu'un accusé, qui a montré de par son comportement à la fois dans 02-1 mais également récemment dans le cadre du procès 02-2, qu'il est en tout cas tout le moins instable et qu'il ne souhaite pas se prêter au jeu du débat contradictoire dans le cadre de cette salle d'audience. Ce seul point, ce refus de se prêter au jeu du débat contradictoire, fait que son témoignage ne peut être utilisable en aucun cas par la Chambre, quelle que soit la partie de son témoignage. La position de la défense est très claire. M. Sarsarine ne veut pas venir et je tiens quand même à souligner que le rapport de Wesu est un deuxième temps, puisque avant ce rapport de Wesu qui a été cité par mon confrère, nous avions eu quand même une mention nous indiquant que Sarsarine avait de façon intempestive au milieu de son témoignage quitté sa chambre d'hôtel et s'était rendu injoignable. Dans ces conditions, il convient quand même de tirer les conséquences d'un comportement et d'un mode opératoire récurrent, puisque c'est un terme qui plaît à la Chambre, du mode opératoire récurrent de Sarsarine,
d'en tirer les conséquences et de ne pas utiliser son témoignage à quelque titre que ce soit. Contrairement à la position de l'équipe de NUON CHEA, il ne s'agit pas simplement de faire un tri dans les déclarations. On ne peut tout simplement pas se fonder sur les déclarations de M. Sarsarine à quelque titre que ce soit. Et c'est la position très ferme de la défense de Q. President, le président, thank you. Merci. And deputy co-prosecutor, do you have any responses to the submissions made by the two different teams? Avez-vous des réponses à formuler aux observations des deux équipes de défense? L'accusation. Merci, Monsieur le Président. A few comments. First, quelques commentaires. Tout d'abord, Mr. Coppé himself said this is a legally complicated matter. So I must wonder why it's being brought up orally and is not being properly briefed. Cette question est abordée oralement et ne fait pas l'objet de mémoire écrite en bonne et due forme. President, please wait a few seconds because we need to change the DVD. Quelques secondes, le temps de changer la bande de DVD.